Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Père, c'est toi qui appelles Florian, aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église. Sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion? Florian, au nom de Jésus-Christ et de l'Église, je t'appelle pour que tu vives en enfant de Dieu. Viens. Florian, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Florian, tu es maintenant baptisé. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Florian, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Florian, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême.